Oh et what's up, c'est The Regloop pour une vidéo, j'espère que vous allez bien les petits potes. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour la suite des vidéos sur Mr. Chucklefish. Et dans cette vidéo les gars, il s'est passé vraiment un truc de malade. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un maximum de pouces bleus. Si on peut atteindre les 15 000 likes sur cette vidéo, ça serait énorme. Donc je compte sur vous les petits potes, 15 000 likes, je vais chez Mr. Chucklefish. Bref les petits potes, n'oubliez pas de vous abonner pour les nouveaux qui arrivent et pour ceux qui kiffent le délire de la chaîne. Bref, c'est parti, let's go pour une nouvelle vidéo sur Mr. Chucklefish. Comme vous l'avez vu les gars, dans le titre qu'on va contacter Mr. Chucklefish, on va contacter, je vais plutôt continuer la discussion avec le Mr. Chucklefish avec lequel je parle dans mes vidéos. Alors les gars, là vous voyez la conversation que j'ai eu avec lui, tout à l'heure à 16h45, je lui ai envoyé 3 messages. Je lui ai envoyé hello, how are you, avec 2 points d'interrogation, enfin bref, pour lancer la conversation un petit peu, tu vois, pour voir s'il était connecté, etc, etc. Et il m'a répondu, yes I'm here, you know what, see you tonight. Donc en gros, tu sais quoi, rendez-vous ce soir. Je suis pas bien, hein. Je suis pas du tout bien les gars. Comme vous pouvez le voir, hein, c'est Facebook. Y a pas de oui mais Adam s'inscrit. Non, c'est Facebook. Hop, si j'écris Zizi, ça écrit Zizi. On est bien d'accord les gars, commencez pas à me casser la tête. Comme je vous l'ai dit, du coup ce qu'on va faire, c'est que on va commencer à envoyer des messages, etc, etc. On va continuer la conversation avec Mr. Chucklefish. So now let's go for the Mr. Chucklefish challenge. Je vais lui envoyer, enfin je vais lui re-envoyer hello ou hi, genre pour voir ce qu'il va me dire un petit peu. Alors attends. Ok, donc là on va attendre qu'il réponde. Tu sais, j'étais pas sûr d'avoir envoyé le message ou pas. On va attendre qu'il réponde les gars. Oh, il est en train d'écrire. Qu'est-ce qu'il y a? Il est en train d'écrire mec. Viens t'asseoir, Attends, il est en train d'écrire. On va attendre un peu les gars. Attends, je monte leur j'ai les mails. Attends. How are you little boy? Ok. Le bail est connecté les gars. Ok, ça va être kiffant mais je vais être dans la merde surtout. Putain mais je suis con, je l'ai même pas répondu, je suis un trou de balle. Je vais lui répondre. Je suis con, je vous jure. Je vais lui répondre good. Donc là, how are you little boy qui veut dire comment tu vas petit garçon. Du coup, good ça veut dire bien. Donc je vais attendre qu'il voie le message et qu'il réponde les gars. The stress is here. En tout cas les gars, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Ça va être grave kiffant. Du coup, comme je vous l'ai dit, je vais attendre que le bail réponde et envoie des messages. Il est en train d'écrire les gars. Wow, il envoie un message. I've dreamed of you last night. We've been in the woods. What? Attends. I've dreamed of you last night. We've been in the woods. En gros, ça veut dire j'ai rêvé de toi la nuit dernière. On était dans les bois. On va lui répondre. Attends, je vais lui répondre. Un euro encore, merci. Je vais attendre de voir s'il répond ou pas, les gars. Les gars, il est en train d'écrire encore. Little boy, can you sing my music? Petit garçon, est-ce que tu peux chanter ma musique? Non, les gars, j'ai pas envie de chanter son truc. Je vais lui répondre non, wesh. Vous êtes des fous. Je lui chante pas sa musique, vous êtes des malades. Je lui dis non, t'es un fou, toi. Je chante pas son truc, moi. Sans rain, no friend. Ouais, bah. Non, j'ai pas chanté, t'es un fou toi. Voilà, vous êtes des ouf. Oh, attends. Oh, it's pity. C'est dommage. Les gars, je crois que je me suis mis dans une merde, pas possible. Ce qu'il vient de m'envoyer, les gars, it's pity, ça veut dire, oh, c'est dommage. Genre, en gros, oh, c'est dommage. Ouais, mais c'est ça, comme dans les films. Ah, c'est dommage pour toi, genre, tu sais. So maybe your viewers will sing for me. Ça veut dire quoi? C'est pas possible. So maybe your viewers will sing for me. Donc peut-être que tes viewers vont chanter pour moi. Comment est-ce qu'il sait que je suis en live? Qu'est-ce qu'il y a? Comment il sait que je suis en live, frère? Mec, comment le sait? Comment le truc il sait que je suis en live? Il vient de moi. Les gars, vous le voyez? Je rigole les gars, c'est un rire nerveux. So maybe your viewers will sing for me. Donc peut-être que tes viewers vont chanter pour moi. Le mec, le truc c'est que je suis en live. Il parle de viewers. Viewers frère, des viewers, c'est où? C'est dans le truc des... C'est dans le monde du streaming, dans le monde du live, tu vois. Je suis clairement pas bien. Les gars, j'ai jamais autant été dans la merde de toute ma vie les gars. Au passage, n'oubliez pas de mettre un maximum de likes. Je vais lui envoyer ça. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Ouais. How do you know that I'm streaming? Voilà. Comment est-ce que tu sais que je suis en train de live en gros? Comment tu sais? Est-ce que tu sais que je suis en train de streamer? Ça sent la merde cette histoire. On va attendre du coup qu'il me réponde. Et du coup les petits potes, on va attendre, on va voir ce qu'il va me répondre.
Ouh, il a vu mon message. Je viens juste d'avoir le truc qui a fait tic comme ça là. C'est hyper flippant les gars parce que genre j'ai pas les commandes en fait. Il a répondu. I know. It's 'cause I'm with you, little yellow hairs boy. Attends. Je lui ai demandé comment est-ce que tu sais que je fais des lives. Il m'a dit je sais parce que je suis avec toi, petit garçon aux cheveux jaunes. Les gars, je ne sais plus quoi penser actuellement. J'ai enlevé mes lunettes tellement. Who the fuck are you? Je vais attendre qu'il réponde, les gars. Je vais attendre. J'arrive même plus à parler français. Il envoie un message. In your mind, in your skin, in your life. Dans ta tête, dans ta peau, dans ta vie. C'est quoi ce genre de message, frère? C'est quoi ces bails, gros? Je crois que j'ai fait une faute, hein, mais bon, on s'en bat les couilles. Frère, hey, il m'a répondu. Genre, tu sais, on lui a demandé... je lui ai demandé qui c'était. Le mec m'a répondu. Dans ta tête, dans ta peau, dans ta vie. Je lui ai demandé est-ce qu'il habite dans la maison qui est dans la photo. Do you live... Attends. In the... House of the picture. Do you live in the house of the picture? Voilà. C'est envoyé les gars. Maintenant je vais le stress. Je vais attendre sa réponse maintenant. This is my HQ headquarters where I play with Lee. Je lui ai demandé la maison que tu m'as envoyée en photo. Est-ce que tu vis? Il m'a envoyé. This is my headquarters where I play with little boys. There's a lot of toys, you know. Ce qui veut dire, c'est mon quartier général où je joue avec des petits garçons. Il y a beaucoup de jouets, tu sais. C'est méga flippant, les gars. Clairement, on n'est pas dans une optique d'insulter parce que si jamais il m'arrive un truc, je suis dans la merde. Insultez-le vous, d'accord? Moi, je ne veux pas de problème. Voilà, donc chacun, voilà, c'est tout. Oh! Je viens d'avoir une idée de malade. Je vais lui dire, je vais bientôt venir chez toi. Genre, je vais bientôt venir dans ta maison. Et je vais lui dire que je serai bientôt dans sa maison. Alors, attends. I will be... Non. I will come in your house very soon. Voilà, je viendrai dans ta maison très bientôt en gros, tu vois. Donc là on va attendre de voir ce qu'il répond. Et je suis clairement dans une optique pas bien. Je suis en stress. Et oubliez pas de mettre un maximum de likes, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit. Tu fais clic et moi je suis content après, donc voilà. Oh, that's good. Oh, c'est bien. Je lui ai envoyé que j'allais bientôt arriver dans sa maison, donc chez lui. Il m'a répondu, oh c'est bien. Where are you now? Voilà, ça fait du Justin Bieber en même temps. Where are you now, now? Je lui ai demandé où est-ce qu'il était maintenant. Du coup, on va attendre, les gars. You are afraid, little boy. Tu es effrayé, petit garçon. Mais les gars, on est d'accord que là, il m'a pas du tout répondu à ma question, là. On est d'accord, les gars. Je lui ai demandé où est-ce qu'il était. Il m'a demandé est-ce que j'étais effrayé. Alors non, j'ai pas peur. C'est mec. Non, j'ai pas peur du tout. Non, ça va. Tranquille, hein. On va lui mettre un petit coup de pression. Alors attends, je vais lui dire. No, why it's... Maybe you who is afraid. Voilà, on va mettre ça les gars et on va attendre de voir ce qu'il répond. You should. Tu devrais. Quand je devrais avoir peur, je crois. Bref, il m'a envoyé you should, donc ce qui veut dire tu devrais. Genre, je devrais avoir peur apparemment. Je vais lui envoyer. Ah oui, et pourquoi? Oh yeah. Why? Voilà, maintenant on va attendre sa réponse. 'Cause I'm gonna be your nightmare. J'ai compris. Parce que je vais devenir ton cauchemar. Non, mec, ça fait gravement pareil. Il m'a envoyé parce que je vais être ton cauchemar. Genre, pourquoi je dois avoir peur de lui? Parce que c'est mon cauchemar. Oh, really? Asshole? Wow. Asshole, je vais pas le traduire parce que j'ai envie qu'il y ait la monétisation. Pour ça qu'ils ont joué à GTA San Andreas, ils savent ce que ça veut dire, asshole. Donc voilà. Hell yeah. Genre ouais, à la mort, il est sérieux à la mort, genre. Ça sent la merde pour moi. Je vais lui demander combien de petits garçons il a dans sa maison. Parce qu'il m'avait dit qu'il avait d'autres petits garçons avec lui. Je vais lui demander How many little boys do you have? Je vais lui dire ça, voilà. Combien de petits garçons tu as? 7. Il vient de me répondre 7. 7. C'est-à-dire qu'il y a 7 personnes apparemment avec lui. Je vais lui demander comment s'appellent les 7 personnes. What are their names?
What are their names? Genre, quels sont leurs noms? Il a mis les noms, les gars, il a mis les noms. Lucy, Hugo, Selena, Yann, Frederick, Elizabeth, Roman. Il a envoyé les noms des 7 personnes qui sont apparemment avec lui. Je suis sûr qu'il y a un truc avec les noms, les gars. Je suis sûr qu'il y a un truc, les gars. Parce que logiquement, un mec qui est malade comme ça, il a pas retenu les noms des personnes. Et c'est grave bizarre. Attends, attends, attends. Lucy, Hugo, Selena. Attends, ça fait pas un truc? Lugena. Non. Non, 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 ça fait pas un nom. Luceifran. Non. Luceifran. Comme ça, quoi, ça veut rien dire, Luceifran. Attends, attends. Il m'a dit. Il m'a dit, il a recherché son Google et toutes ses affaires sont recherchées. Non, 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 c'est pas ça le truc, Riyad. C'est pas ça le truc, Riyad. Oh putain! C'est pas ça le truc. Regarde, 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 regarde. Lucy, L, Hugo, U, Selena, C, Yann, I, Frédéric, F, Elisabeth, E, Juan, R. Lu, Si, Fer. What the fuck? Lucy, Hugo, Selena, Yann, Frédéric, Elisabeth, Juan. Ça fait Lucifer. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Vous savez quoi, les gars, ce que je vais faire, c'est que je vais lui envoyer comment ici. Yes, I know. Don't need to write it, Sonny. Oui, je sais, pas besoin de l'écrire, mon fils.